Salut à tous les amis, c'est Chenip. On se retrouve aujourd'hui sur un monde Minecraft que j'ai créé là, qui est en 1.7.2. Et je vais faire une vidéo d'information qui va durer, je sais pas combien de temps, mais je vais un peu tout expliquer. Donc, il faudrait que vous regardiez. Enfin, je veux dire, c'est assez important parce que ça parle aussi de l'avenir de la chaîne. Donc, comme bon, vous le savez peut-être pas, mais pendant une semaine, mon ordi ne marchait plus, il était complètement mort. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'ordi a été éteint pendant une mise à jour Windows très importante. Du coup, lorsque je l'allumais, eh ben, il ne démarrait plus. En fait, ça me mettait missing système, enfin système manquant. Parce que je sais pas. Bon, pour ceux qui s'y connaissent, peut-être le RAID des disques durs. Donc, parce que j'en ai deux. Ils ont complètement pété. Donc voilà, donc c'est pour ça. Alors ce qu'on a dû faire, c'est bon, on l'a emmené chez un technicien qui a tout réinstallé depuis le début. Du coup, j'ai perdu absolument tous mes fichiers. Mais pour cela, pour essayer de retrouver, on a utilisé un logiciel qui passe dans les disques durs. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en gros, il essaie de récupérer les fichiers qui ont été perdus sur l'ancienne sauvegarde de l'ordi. Seul problème, c'est que ça a retrouvé des morceaux de fichiers de mon monde Minecraft. Parce que oui, en fait, ça ne récupère pas les fichiers en elles-mêmes, en eux-mêmes. Ça fonctionne un peu comme si vous récupériez seulement les pièces du puzzle, en fait. Donc le puzzle entier, une pièce de puzzle toute seule, ça vous sert à rien. Donc c'est ce qui s'est passé, en fait. J'ai récupéré des morceaux de ma sauvegarde Minecraft qui me servaient à rien en tant que tel. Parce que j'avais pas ce qui manquait. Alors ce que j'ai dû faire, j'ai rien pu faire. J'ai passé du temps à essayer de retrouver dans tous les fichiers qui étaient complètement mélangés mes sauvegardes Minecraft, les mods, mais il n'y avait plus rien, malheureusement. Donc je l'annonce comme ça, mais 50 mods, je n'ai plus la sauvegarde, du coup je pourrais pas continuer à faire des vidéos. Mais voilà. Ouais. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai prévu de faire dans quelques temps, le temps que les mods sortent. Je ferai une série sûrement Minecraft, comme j'avais fait avec 50 mods, sauf que je serai en 1.7 et que ça serait la Minecraft l'aventure avec 100 mods. J'essaierai d'installer 100 mods sur ma sauvegarde Minecraft pour pouvoir recommencer. Mais cette fois-ci, ça sera mieux, je pense, parce que j'aurai un peu plus d'expérience, un meilleur micro, mais bon. Je reconfirmerai tout ça. Pareil pour Outlast, pareil, enfin, pour tout en fait. C'est comme si mon ordinateur, je venais de l'acheter. Il n'y a plus rien, j'ai dû tout réinstaller. Réinstaller Minecraft, réinstaller mes jeux, réinstaller les outils, réinstaller Fraps, enfin. C'était quand même la galère. Donc voilà, j'ai préféré vous informer parce que c'est quand même assez important, on va dire. Parce que c'est quand même l'avenir de la chaîne, hein. Donc voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ah oui, d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui me disent, enfin qui m'ont dit en ce moment, ah, Schnip, il y a quelqu'un. Oula, ça lag un peu. Frappe, ce n'est pas encore habitué, je pense. Ah, Schnip, il y a un mec, il a fait une aventure suivie, il a plus de mobs que toi. Il en a 90, donc il en a plus que toi. Bref. Et je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Yin 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 Yin, je sais pas quoi. Mais ce type, je le connais parce que c'était un ancien abonné. Mais c'est juste en fait pour répondre parce qu'ils me disent ouais, comment il a fait pour avoir 90 mods? Enfin, c'était des questions un peu stupides. Mais en gros, je le connais ce type. Enfin, je le connais. C'est un abonné, ou c'était un abonné, je sais plus. Mais en fait, lui, il avait installé 40 mods à la base et il a rajouté mon fichier de mods. Donc c'est pour ça qu'il a 90 mods. En fait, il a. Enfin, je dirais pas que c'est un plagiat, ça me dérange pas du tout, mais bon, c'est pour répondre aux questions utiles, hein. Voilà. Sinon, je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire. En attendant, là, 1.7 vient de sortir, donc il y a aucun mode pour l'instant. Enfin, on va dire, il y a ceux de base du type Too Many Items, mais bon, ça c'est pas vraiment un mode, c'est plutôt un outil. Donc j'attendrai que les mods sortent et je ferai une nouvelle série, je pense. Bon, ce sera pas tout de suite, hein, le temps de tout installer, de faire les tests, de voir si ça marche, voir s'il n'y a pas de problème de compatibilité.
Et cette fois-ci, j'installerai Optifine parce que dans 50 mois, je n'avais pas Optifine. Tout simplement parce qu'il y avait un problème avec Finite Liquid et Optifine. Donc Finite Liquid, pour ceux qui ne savent pas ou ont oublié ce que c'était, c'est le mode qui fait une physique, on va dire, réaliste à l'eau dans Minecraft, puisque au lieu qu'on fasse des sources infinies comme ça, et bah l'eau s'écoule en fait normalement, comme si c'était de l'eau normale. Donc voilà, et en fait avec Optifine, bah, l'eau ne s'écoulait plus. Ça faisait de l'eau statique. Donc voilà. C'était pour un peu vous dire tout ce qu'il y avait. S'il y en a qui veulent savoir qu'est-ce que j'ai comme texture pack, ressource pack, pardon, c'est Ozocraft. Et d'ailleurs, Ozocraft qui a un pack assez sympa. Je vais juste vous faire écouter. Deckbox. C'est génial, Avast qui me met un message comme quoi la NSA aura écouté plus de 70 millions de conversations de citoyens français. Alors, faites attention à ce que vous dites. N'importe quoi. Je cherche mes disques. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Chirp. Cat aussi est bien. Là, je vais vous faire écouter Cat. Ah bah non, en fait, ça n'a rien changé. Bon, c'est génial. Ah, je suis mauvais. Bon, sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Je suis vraiment désolé. Enfin, je suis désolé. En même temps, c'est pas, j'ai rien pu faire. Et c'est pas ma faute, mais non. Enfin, ça m'étonne pas non plus. Je m'étais préparé. Il y avait peu de chances que je la retrouve quand même. Enfin, bref. Bon, sur ce, je recommencerai une nouvelle série. Je vous le promets. Et puis, bah, on va se dire à la prochaine. Je sais pas quand, mais à la prochaine. Allez, merci. Et à plus. Ah oui, et puis un énorme merci pour tous vos soutiens. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que vous appréciez ma chaîne, que vous la suivez, qu'elle grandit, qu'il y a de plus en plus de viewers, d'abonnés, tout ça. Franchement, merci beaucoup. Continuez comme ça. C'est vraiment ce qui me motive. Enfin, il n'y a pas que ça, évidemment, mais ça donne énormément de motivation pour continuer. Alors, merci encore. Allez, à la prochaine.